Bon, alors, prochaine mission, non? Prochain truc, condenseur. Oui. En fait, à chaque fois qu'il y a une mission qui se lance, je pense que vous avez dû le comprendre. J'essaie de me rappeler parce que j'ai fait le jeu plusieurs fois. Je vous l'avais dit en début de Let's Play. J'essaie de me rappeler à peu près de ce qu'il y a dans la mission. Judy, debout. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Habille-toi. Je t'expliquerai dans la voiture. La DPA a lancé un programme pour étudier l'autre côté, l'inframonde. Ils ont créé un condenseur, une machine qui ouvre une faille vers l'autre dimension. Ils ont ouvert un passage? Vers le monde d'Aiden? Il y a eu un problème hier soir. Des entités sont passées par la faille et on n'a pas pu éteindre le condenseur. Tout le monde dans le bâtiment a été tué et aucune équipe de secours n'en est revenue. Ils ont demandé ton aide, mais je leur ai dit que tu étais une enfant et que c'était trop dangereux. Malheureusement, ils savent que tu es la seule qui puisse vaincre les entités de l'autre côté de la faille. Voilà, juste ici. Ah bah bravo. Dès que je suis pas là, c'est n'importe quoi. Allez-y. Jody, si tu n'es pas d'accord, il suffit de le dire. Je te ramène. Ça va aller. Je vais le faire. Mais c'est quoi ce bruit? J'espère que vous entendez pas, attends. Non, vous devez pas entendre. J'ai regardé sur Audacity. Et voilà, on remercie les micros pour les bruits de fond, justement. On n'entend pas. T'es devenu dingue? Essaie de comprendre. C'est la seule qui soit capable d'arrêter ce massacre. On a des infos sur ce qui se passe à l'intérieur? Quelque chose? C'est la fille. Désolé, je peux pas vous laisser passer. Laissez-la. Oh, désolé. Ça donne vachement envie d'y aller quand on voit tout ça. Ah oui, c'est un truc de la CIA, carrément. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tuer tout le monde. Qu'est-ce que ça peut être? Ça me rappelle le film, je sais pas si vous l'avez vu, Evolution. Et des trucs comme ça. Un vieux film. Le condenseur est situé au dernier sous-sol. Tu dois trouver la salle de commande, c'est tout ce qu'ils ont pu me dire. Jody. Les entités autour de la faille ne sont pas comme Aiden. Elles viennent du plus profond de l'au-delà, on ne sait presque rien sur elles pour le moment. Je vis avec une entité sur laquelle je sais rien depuis que je suis née, alors ça devrait aller. C'est bon. T'en fais pas, je compte pas mourir aujourd'hui. Peut-être c'est elle qui décide. Alors, j'ai envie, j'ai pas envie? Bon, non, pas maintenant. Allez, c'est parti. On se dirige dans l'endroit le plus glauque du monde. Bah, il me semble, justement, que c'est le laboratoire où elle était. En tout cas, je pas très pas loin, toi, ça doit être Aiden. Libre. Parce que le laboratoire et tout ça, j'ai déjà moi, vu. Moi, j'ai peur. Dans ce jeu. C'est en fin de mission. Ouais, moins 4. Ok. Donc c'est parti. Donc là, il va y avoir, c'est une mission où il y a un petit peu plus de gameplay, etc. Et moins d'animation. Donc c'est parti, on va prendre l'ascenseur juste ici. Allez. Super. Le monde chargé est coincé. Ah non, c'est un monde charge. J'essaie de trouver une solution, Aiden. Bon, c'est pareil. Il descend pas très vite, Aiden. Voilà. C'est fait. Oui. Voilà. Je vais pas...
Des fois, je pense pas forcément à appuyer sur triangle pour changer les personnages. Et ouais, c'est un petit peu. J'y pense pas tout le temps. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est pas très. Allez, je te relève un petit peu là. Voilà. Alors. Vous êtes vivant? Alors ça c'est un truc assez difficile que je viens de comprendre en fait, que j'ai compris quand j'ai refait le jeu. C'est qu'en fait, vous devez diriger le souvenir qui est sur la personne dans la tête de Jodie. Comme ça elle le revit. Alors en fait ce qui est assez difficile c'est que il faut appuyer sur L1 et avec les deux joysticks réussir à diriger le truc pour que ça aille. Voilà le laboratoire. Et en fait ce qu'il faut faire c'est pas bouger tout le temps. Vous avez juste à, pour ceux qui y jouent, vous avez juste à bouger les joysticks et une fois qu'ils sont en position vous bougez, vous touchez plus à rien et puis le souvenir va à Jodie tout simplement. Et j'avais pas compris ça la première fois que j'avais fait le jeu. Donc voilà, une petite astuce. La petite astuce de l'ascenseur. Alors, tout droit. Évidemment, il y a des cadavres partout. Hein. Il y a de la mort à l'intérieur. Bien sûr. Il a eu ses dernières paroles. Allez, toi, tu bouges. Voilà. Arrêtez de manger un McDo, hein. T'es légèrement lourd dans les deux sens du terme. Allez, on va dans les laboratoires. C'est parti. Oui, la première fois, ça m'avait fait peur. Mais, non. Je suis habitué. Allez. Pousse, 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 pousse. Ça aussi. Mais là, ça va. Même si j'avais oublié totalement. Vous, derrière votre écran, ça se trouve que vous êtes en train de... Ouais. Essaie d'ouvrir depuis l'autre côté. Allez. Oui, on voit le bouton à travers, carrément. Non, c'est ça. Voilà. Ok. Allez, tu avances un petit peu plus vite. Il y a tout le monde qui est en train de mourir. Il faut que tu ailles un petit peu plus rapidement. Je le sens moi aussi. Elles sont là. Reste près de moi, ok? Les entités de l'autre monde se sont infiltrées dans le monde. C'est la fin. C'est presque la fin du monde si elle n'agit pas. Mais elle se dépêche pas, c'est pas très grave. Allez, alors. Normalement c'est par là qu'elle doit aller. Voilà. Elle parle derrière moi, voilà. Quand on fait une vidéo, c'est génial. Change rien. Tant mieux. Alors. Voilà. Va y arriver là quand même, non? Non? Peut-être. C'était ça qu'il fallait bouger. Tout à fait. Alors. J'ai même pas pensé. J'ai bougé l'autre armoire qui a 3 km. Alors, pourquoi tu t'es tourné toi? Je sais pas ce qu'elle a fait la caméra, elle a décidé de faire n'importe quoi. Alors, c'est reparti, tu avances un petit peu plus vite là s'il te plaît. Allez, tu descends. Et là il devrait y avoir un petit peu plus d'action normalement, si je me rappelle bien. Sans trop essayer de vous spoiler même si c'est difficile. Alors, oui.
Et t'as une main ici. Voilà. On n'est pas obligé de le faire, mais bon. Enfin, il me semble qu'on n'est pas obligé de le faire. Mais c'est pas très bien. C'est pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans chaque pièce. Ce qui rend possible l'ouverture d'une brèche temporaire. Voilà. Là, c'était un cours pour expliquer ce qui se passait juste à côté. Donc voilà. Alors. Donc je vais y aller par contre dans 5 minutes, je vais arrêter cette session ici. Allez. Spra. Voilà. Attends. Voilà. Allez, tu y vas. C'est bon. Et normalement on va se diriger par là. Puis je pense, je n'ai aucune idée, je sais même pas ce que je vais vous faire. En fait. Je vais peut-être faire un. Cet épisode va certainement durer 10 minutes ou un truc comme ça. Il va être un petit peu plus court. Je vais m'arranger pour enlever une minute à chaque fois de la session. Et ça va vous faire un quart d'heure. Mais normalement, ça devrait aller. Donc je pense, voilà, je fais pause. Je vais arrêter cette session ici. Donc en tout cas, si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like, etc. Retrouvez tous les épisodes qui sont sur la playlist. On doit être à l'épisode... aucune idée. Allez, 6, 7, un truc comme ça. Donc voilà, en tout cas, abonnez-vous à la chaîne Video Gaming QG. Allez voir la chaîne de Pedro, la mienne. Et puis on se dit à plus tout le monde pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde.